Donc voilà, j'ai reçu le colis et voilà, donc je vais tester ce petit magnifique casque stéréo de Amazon. Donc voilà, je vais l'ouvrir et le commencer. Stop! Arrête de montrer ce putain de boîte et passe à la suite, s'il te plaît! Merci! Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui, nouvelle boîte. Je vais ouvrir ça, donc je vais mettre une vitesse max. Ça. Lui là, il est tout beau. Belle boîte. Alors, c'est un casque stéréo. Donc il y a différentes boîtes de différentes couleurs. Noir, rouge, blanc. Moi je l'ai pris en blanc. Et donc il est fait pour smartphone, iPhone, Mac, ordi, tablette. Magnifique pour tout. Opération distance Bluetooth, par Bluetooth. Il peut faire appel par Bluetooth. Il peut faire musique par Bluetooth. Vidéo, coupure de son et tout, par Bluetooth aussi. Il coûte 13 euros sur Amazon. Et moi, on me l'a envoyé pour que je puisse le tester. Nous avons à l'intérieur de la boîte un câble USB basique, hein. La prise jack et le casque. Donc ce casque, niveau d'utilisation, 20 heures d'utilisation Bluetooth, 150 heures en mode veille et 150 heures en mode comment dire, mode appel aussi. Donc voilà à quoi il ressemble. Perso, je trouve beau. On peut le régler comme ceci. Donc je vais tester, hein, parce que c'est la première fois que je fais les mis. Tout début, ça doit faire un petit peu bizarre quand même. Là, on peut régler sur notre tête les réglages. Voir ce que ça donne, je reviens. Fait un style, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, ben écoutez, je vais filmer l'écran de mon téléphone pour tester le casque et tester le son qu'il peut avoir, ce petit bijou. Donc, le Bluetooth et tout, et on va faire tout ça en direct, voilà, sur mon téléphone. J'écoute de la musique libre, droit libre, comme ça je n'aurai pas de problème. Et on testera ça. Ok? Allez, à tout de suite. Donc j'ai essayé en ce moment de paramétrer mon casque, mettre une musique et tout. Donc c'est pour ça que je mets en mode rapide. Parce que sinon ça peut risquer d'être lent la vidéo. Et je ne vais pas que vous patientiez pendant des lustres pour avoir le test complet de ce truc. Donc j'ai mis en mode rapide et voilà, donc ça a bien marché. Et voici le résultat qui va suivre maintenant.
Le son, il est vachement bon. Je sais pas si c'est de lumière, je sais pas. Le pur plaisir. Bon, je vais passer en mode caméra, vous montrer les boutons qu'il y a. Et voilà donc les boutons donc, dont je vous parlais. Donc il y a le mode M. Donc je précise, c'est pour la radio. Et il y a pour monter le son, le volume. Avec ce bouton là on peut mettre à l'arrière revenir à une musique. Après nous avons le bouton donc pour téléphoner comme vous voyez sur le dessin et mettre sur pause et play la vidéo ou la musique. Après nous avons pour précédemment la musique pour la musique suivante ou la vidéo suivante. Voilà. Là, nous avons le bouton à l'image. Tout très simple. Nous pouvons aussi mettre une carte SD ici. Je crois que ça va jusqu'à 32 gigas. Et là, la prise jack. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ceci vous a plu, les gens. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.